Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, je reviens avec un haul qui, à la base, n'était pas du tout prévu. Parce que, comme vous le savez toutes et tous, maintenant, j'ai des démangeaisons. Donc, je suis allée voir le médecin et en fait, c'est un psoriasis. Donc, en fait, je vous ferai une routine cheveux parce que, en fait, j'ai des produits à utiliser. Et en fait, ça me calme, mais sans me calmer. En fait, j'ai toujours des démangeaisons par période, en fait, dans la journée. Et donc, il me fallait absolument, absolument un sérum pour calmer ça, parce que c'est une horreur à vivre tous les jours, c'est pas possible. Donc, j'en ai eu marre, j'ai dit, bah, écoutez, je vais aller dans un magasin de coiffeur. Donc, c'est un magasin qui fournit les CAP, les BEP esthétiques, les coiffeurs, etc. C'est une boutique pro, mais qui vend aussi, comme Bleu Libellule un peu, et qui vend aussi aux particuliers, avec des tarifs un peu plus chers. Donc voilà, donc eh ben, écoutez, j'y suis allée pour ça, mais regardez ce que j'ai trouvé. C'est vraiment une tuerie. Pour celles qui sont de Reims ou des alentours, c'est une boutique qui se trouve à Tillois, donc à côté de Reims, dans la zone où il y a l'IKEA. Donc vous voyez le carrefour. Quand vous descendez la rue pour aller au carrefour, vous pouvez aller soit vers... donc vous laissez le campanile à droite. Vous pouvez aller soit vers le rond-point pour aller vers le carrefour ou soit à droite. Vous voyez, il y a un chinois, il y a un Norma. Et au rond-point, vous reprenez tout droit. Et c'est une boutique qui s'appelle CAD Esthétique. Et la devanture, en fait, c'est à côté d'un primeur bio. Et franchement, en ce moment, ça vaut dinguerie le coup. Donc les soldes, c'est, je crois, jusqu'au 17 février, puisque précisément, je ne savais pas. Excusez-moi. Donc ça vaut hyper le coup. Je vais déjà vous montrer pour moi ce qui est la solde la plus intéressante que j'ai faite de toutes mes soldes. Pourtant j'en ai faites. Voilà, c'est un lisseur. En fait, incrusté de Swarovski, bon ça on s'en fout. Mais qui à la base coûtait 118,80€. Et qui en fait était en solde à 20€. Et quand je suis passée en caisse, au comble du bonheur, je ne l'ai même pas payé 20€. Je l'ai payé 16,80€ ou 90€, c'est des brouettes quoi. C'est 16€ pour un lisseur pro. Honnêtement, je pensais pas que... Enfin moi j'en avais pas besoin, mais quand j'ai vu le prix, et en plus il y a la pochette un peu de soirée qui meilleure affaire aller. Que j'ai faite de toutes mes soldes au niveau des tarifs avantageux, parce que vraiment, passer de quasi 120€ à 16€, c'est impressionnant. Donc voilà, il fallait absolument que je vous montre ça quoi. Et il en reste un ou deux. Donc pour les filles de Reims qui voient cette vidéo, précipitez-vous, ça vaut le coup. Ensuite, bon, il n'y a pas que ça hein, qui valait le coup hein. Je vous montre un petit peu le butin de cette boutique. Voilà, n'est-ce pas? C'est magnifique hein. Donc je commence. Bon, il y a un petit peu de tout, il y a du maquillage, il y a des soins, parce qu'en fait j'y suis allée deux fois, j'y suis allée une fois avec ma mère qui avait besoin d'un pinceau pour le teint et donc j'y suis retournée en fait le soir, alors que j'y étais allée dans la journée avec eux. D'ailleurs je lui dis oui, heureux, elle me dit ah oui, c'était vous avec le bébé, oui, je suis venue toute seule et je vous ai rendu une cliente, elle a rigolé la dame. Donc, on commence. J'ai pris une poudre compacte, donc couleur champagne. Couleur champagne, de toute façon, les swatchs ici, hein. Ici, je vous mets un petit encart ici. Couleur champagne, c'est un highlighter, donc juste pour illuminer ici le haut de la pommette. Donc, il était à 1,50€, si je ne me trompe pas. À la base, ça coûte 14€ un pégissage. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais bon. Donc, à 1,50€, je me suis ruée dessus. Ça, c'est normal, je pense. Ensuite, alors, je me suis pris... La mini poudre libre ambrée, alors c'est une mini poudre libre qui est aussi à 14€ d'habitude et qui là passait à 1,50€. Donc il y en avait des teintes vanille, il y en avait des teintes muscade, donc pour les peaux noires. Mais ambrée ça me va bien, il y avait abricot aussi, ça me permet d'avoir un espèce de blush parce que c'est un petit peu foncé, mais en même temps vanille c'était vraiment clair, donc bon c'est tout. J'ai pris cette couleur là parce que ça avait vraiment le coup à 1,50€. Après, j'ai pas pris plus foncé ou plus clair parce que je me suis dit pour pas l'utiliser, j'en ai déjà assez comme ça, même si c'est entre guillemets pas cher. Ensuite, je me suis pris un. Vous connaissez ma folie pour les ombres à paupières. Donc, une ombre à paupières couleur ultraviolet.
Donc c'est un rose qui tire sur le violet. De toute façon, vous verrez bien, hein, je vous montre là, mais il tire vraiment sur le parme, mais vraiment reste rose. Donc ultraviolet, j'ai pas vu où, parce que ça n'a pas le sens que moi j'entends par ultraviolet. Ensuite, tout ce qui est les godets comme ça, vous savez, pour remettre dans les palettes vides, écoutez, était à 0,50 centimes. Il y a 3 grammes dedans. 50 centimes, quoi. Parce que sur l'inscription, c'était 60 sur l'étiquette. Mais je sais pas en caisse, il y avait encore des réductions. Donc, je m'en suis pris plusieurs. Je vous montre tout de suite. Que je me trompe pas. Que je laisse pas passer. Donc là. Oui, j'ai fait un petit peu le tour des couleurs qu'il y avait dans le bac, on va dire. Donc ça, c'était les fins de série. Mais vu que j'avais pas trop en ces teintes-là, et c'est un petit peu dans les ocres, vanille, rosé, un peu, pas doré, mais très clair. Donc, j'ai pris la touche pailletée vieux rose. Donc vous verrez ici, vous, hein, parce que là, j'ai l'air bête quand même à vous montrer là, que vous ne voyez pas. Donc c'est le vieux rose, c'est un doré, mais c'est vraiment vieux rose, quoi. Comme les sacs à main que vous voyez. Ensuite, j'ai pris le rose bohème. Donc, c'est un magnifique rose irisé. Donc là, il est un petit peu abîmé, mais bon, c'est tout. Pour le prix, on va pas se plaindre. Hein, 50 centimes, voilà quoi. Après, j'ai pris le rose tendre. Donc, c'est une ombre à paupières lumière. Donc, je pense que c'est vraiment pour les transitions, ce sera parfait. Donc là, c'est un rose pâle. Vraiment, un rose pâle. Qui pourra faire mes transitions à la perfection. Ensuite, j'ai pris le beige rose irisé. Alors ça, c'est plus un rose tendre, mais très irisé avec des touches de miel dedans. Vraiment, il avait l'air très très joli. Je ne les ai pas swatchés encore, donc vous le verrez dans l'encart, mais j'ai très très hâte de vous les montrer. Celui-là, c'est le ocre pailleté, donc... touche pailletée, c'est vraiment un jaune ocre, et vu que j'en avais pas, que je suis pas trop du genre à porter de l'or, etc., mais que j'en ai acheté un petit peu au solde, vous voyez, là, c'est un beige quand même, et donc ce haut-là, je l'ai eu chez Camailleux. Les charges, je l'avais depuis longtemps, mais du coup, je suis bien contente, parce que chez Camailleux, en général, il n'y a jamais des tailles fortes. Là, j'ai pris un cuivre irisé, parce que je viens d'en terminer, enfin, j'en ai terminé un. J'en ai dépoté un, que j'ai mis dans ma palette, enfin, vous le savez pas, je vous l'ai pas encore montré, mais quand je vous ai fait le tuto comment dépoter ses fards, je vous ai montré aussi comment on réparait ses fards. Et ben, c'est la même chose quand vous voulez dépoter des fards que vous pouvez pas voir, je vous ferai une vidéo là-dessus. Je vous montrerai les photos que j'ai faites, mais mettez-moi un pouce vert si vous voulez que je vous la fasse cette vidéo, parce que on achète toujours des trios, des quatuors qui servent jamais à rien. Parce que on les a pas à portée de main, mais on a des palettes vides des fois, donc ou alors on les achète sur AliExpress, pas très cher. En fait, moi, je les ai repressées pour en faire une palette avec tous mes restes que j'utilise pas. Et d'ailleurs, bah, depuis ça fait déjà une ou deux semaines que c'est que ça que j'utilise. Donc, comme quoi, hors de portée de vue, ça s'utilise pas. Mais quand on l'a et qu'on sait qu'on l'a, on ouvre, on a un large choix, et j'ai laissé les teintes à peu près. Voilà, c'était des teintes nudes, donc c'est vraiment pas mal. Et là, j'ai l'ocre irisé. Donc ça, c'est une touche lumière aussi. Donc toujours dans les ocres, mais ce ne sera pas les mêmes effets. Donc je pense que je vais pouvoir jouer un petit peu sur les différentes textures et les différents rendus de lumière pour pouvoir faire un maquillage qui soit homogène, toujours dans les tons ocre, que je n'avais pas encore jusqu'à présent. Voilà, donc ça, c'était pour les fards à paupières en godet, vous savez, qu'on vend à l'unité pour remplir les palettes. Ensuite, j'ai pris, toujours dans les... On va continuer, non, je vais prendre dans l'ordre d'apparition, ce sera plus facile. Un spray L'Oréal, donc c'est un spray pailleté pour les cheveux. Donc je me suis dit, pour l'été, c'était pas mal. Je l'ai eu à 83 centimes, s'il vous plaît, quoi. Ça coûte 6 voire 7 euros minimum dans les ventes privées, donc 83 centimes, c'était tout un... Ils y sont encore... pas celui-là, mais il y en a encore de l'autre gamme que je vous montrerai après,
foncez-y quoi. Vraiment, ça vaut grave le coup. Il y a plein de produits à cheveux comme ça. Il y a des mousses, des sprays. Bon, moi, j'en ai pas utilité parce que voilà, les mousses, j'en mets pas. Je fais très attention à ce que je mets en ce moment sur mes cheveux, mais j'ai pris plein d'autres choses et à 83 centimes, c'est mieux que chez Lowe's. Donc voilà. Voilà. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris une poudre scintillante. Voilà, ça se présente comme ça. C'est une houppette et un godet rempli de poudre pailletée. En fait, elle est parfumée. Et ça, messieurs, dames, 83 centimes aussi. Tu penses bien que j'en ai acheté un le matin pour voir un petit peu tester. J'ai testé et le soir, j'en ai racheté deux. Hein. Donc, il n'y a plus or. J'ai pris le dernier or. D'ailleurs, il n'y avait même pas la boîte, tellement la boîte en plastique. Parce que sinon, la boîte en plastique, excusez-moi, elle se présente comme ça. Vous voyez ? Mais il n'y avait plus la boîte en plastique, moi, quand j'y suis allée sur l'or. Donc, je m'en fiche. Pour 83 centimes, j'ai pris celle-là sans la boîte. Et j'avais pris deux argentés. Voilà. C'est à 83 centimes, quoi. Ça vaut grave le coup, hein. Et il y a quoi, combien dedans? Je sais pas combien il y a dedans, mais je vous dis ça tout de suite. Il y a 140 grammes. 140 grammes. C'est énorme. On en a pour toute une vie avec ça. Mais en fait, j'en mets jamais parce que je me dis, oh, j'ai pas envie de l'utiliser, je vais plus en avoir. Ben là, cet été, je vous dis, enfin, printemps-été, ça va donner. Alors, voilà. Ensuite, j'ai fait les fonds de fin de série. J'ai trouvé des crayons comme ça, gloss. Donc, celui-ci, c'est la teinte terre mouillée. Et celui-ci, c'est la teinte poudrée. En fait, c'est deux crayons qui sont censés avoir un effet gloss sur les lèvres. Et en fait, donc celui-ci était emballé, bien sûr. Hein. Quand j'ai ouvert, je comprends pourquoi c'était en fin de série. Par contre, ça, je ne les recommande pas, ça pue la mort. Bon, c'est tout, je les ai, donc je les utiliserai, mais ça schlingue. Ah ouais, c'est le vieux cosmétique, en fait. C'est séché, enfin bref. C'est pas grave, je pense que j'utiliserai aussi. Je mélangerai avec un gloss, ça passera, mais... Parce que je ne les ai pas achetés pour pas les mettre. Mais bon, et ça, 1€. Donc pour 1€, il y a Peggy Sage, ça vaut là quand même la peau des fesses. C'est quand même c'est vendu en institut, etc. Donc bah, c'est tout, j'ai pas trop. Je me suis pas fait prier en fait. Donc ça, c'est tout pour les achats du matin. Mais l'après-midi, j'y suis retournée. Ah oui, sachez que le matin, je suis pas une bouleuse moi, je vous dis tout de suite. En fait, quand j'ai ouvert mon sachet à la maison, je me suis rendu compte qu'il y avait deux crayons à lèvres. Donc je sais pas si c'était cadeau ou si la dame elle s'est trompée, elle les a mis dans le sachet ou j'en sais rien. Donc du coup je me retrouve avec un crayon gloss contour des lèvres marron glacé, comme ça. Alors je sais pas si, je l'ai pas encore ouvert donc je ne sais pas s'il se tourne ou si il faut le tailler. Et avec le crayon mine lèvres en teinte fuchsia. Alors par contre celui-là il se déroule. Voilà, un petit peu ce que ça donne. Et donc voilà, je ne sais pas si c'était en cadeau ou si la pauvre dame s'est trompée, elle a pris les articles d'une autre personne et qu'elle me les a mis sans le vouloir dans mon sac. Enfin, en même temps, comme je dis, je suis pas une voleuse, je vais pas y retourner parce que je suis rentrée chez moi, je vais pas y retourner exprès quoi. Ensuite, donc le fameux produit que j'ai pris pour me calmer le cuir chevelu, ça s'appelle Sensitive Therapy de Vitalitis. En 50 ml, traitement calmant pour cuir chevelu sec et sensible à la vaseline et au chèvrefeuille. Non, à la valine, pardon, et chèvrefeuille. Donc, ça s'appelle gamme intensive. Fluide traitant à action calmante et apaisante, hydrate et protège le cuir chevelu en procurant un soulagement immédiat. Après avoir utilisé le shampoing sensitif, appliquez uniformément Sensitive Therapy sur le cuir chevelu, massez délicatement et c'est sans rinçage par contre. Donc ben, je le testerai parce que vraiment ça me démange, c'est le cas de le dire, ça me démange de le tester mais ça me démange aussi. J'aurai enfin la possibilité de ne pas me gratter toute une journée à me dire oh, vivement ce soir que je me couche, j'y penserai plus quoi. Et même la nuit,
enfin, avant que je fasse le traitement, et ce qui m'a poussée à aller voir le médecin, c'est que même la nuit, je me levais, j'étais obligée de me laver les cheveux avec le Head & Shoulders sans anti-démangeaison, parce que ça me brûlait trop, quoi. Donc j'ai dit, c'est bon, je vais voir un médecin. Ça me calme un peu, mais ça me démange vraiment quand même. Donc je vais voir si ça fait des miracles ou si c'est acheté à la poubelle. De toute façon, je vous le dirai dans une revue si vraiment il vaut la peine. Donc ensuite, on passe aux autres petits achats capillaires. Pour rester dans la même lignée que les L'Oréal Ball, comme ça, j'ai pris toute la gamme. Parce que je me suis dit, bon, on sait jamais si ça me sert. Voilà quoi. 83 centimes. Donc je me suis dit, j'en prends un chaque, c'est pas grave. J'ai pris le Cosmo Spritzer, le spray anti-freeze, fixation extra forte. Spray anti-freeze parce que quand je sors de la douche, si je ne me brosse pas les cheveux, j'ai des ondulations. Donc là, bon, je les ai attachés, hein, vous voyez quand même. Mais quand je les veux vraiment lisses, je peux pas les avoir lisses. Même si c'est des ondulations, j'ai quand même pas l'effet lisse. C'est vrai que quand j'étais enceinte, j'avais posé des extensions et le fait que les extensions tirent sur les cheveux, j'avais des cheveux lisses. Effet lissé, au lisseur, ils étaient vraiment magnifiques. J'essaierai de vous mettre une photo là de l'effet que ça donnait de près quand j'avais les cheveux lissés avec mes extensions. Je trouve cette photo magnifique. J'espère que vous la trouverez aussi magnifique que moi. Bon, il y a le bazar derrière, mais c'est une de mes plus belles photos quand j'étais enceinte. Et donc voilà. Donc ça, c'est le Cosmo Spritzer. On a le Playball Beach Fizz. Donc c'est un spray salé, effet plage. Donc c'est tout, hein. Moi d'habitude je mets de l'eau et du sel. Je vous l'avoue tout de suite. Quand je veux que ça frise justement. Parce que le sel et l'eau, en printemps quand vous commencez à sortir, ça vous donne l'effet ça les ondule plus. Donc moi quand je les veux vraiment onduler, en général, c'est de l'eau et du sel que je mets. Donc là, bon, pour 83 centimes, je me suis dit, bon, ça évitera de gâcher le sel que j'achète pour le mettre dans l'eau, quoi. Et ensuite, j'ai pris le Fuzzy Rock. Donc c'est un spray gel structurant fixation forte. Donc ça, je me suis dit, si toutefois je fais des nattes sur le côté, vous savez, des fois je fais, enfin, vous le savez pas d'ailleurs, je vous le dis, des fois je fais trois nattes ici pour un effet structuré dans la coiffure. Et donc ça, c'est parfait parce que ça tient vraiment les nattes en place. Même quand l'élastique il s'en va, ça les tient vraiment structurés. C'est vraiment joli. Ensuite, pour rester dans les balls, les play balls là, de L'Oréal, je me suis pris le Creamy Smooth spray crème de soin assouplissant. Donc ça, c'est parce qu'en fait, j'ai la tignasse des fois qui a besoin un peu de traitement. Donc il y a du paraben dedans, donc il faut le savoir. Je pense que c'est pour ça que c'était à 83 centimes aussi. En même temps, je vais vous dire pour les autres paraben, celui-là il n'y a pas de paraben, celui-là il n'y a pas de paraben. Oh, il n'y a que celui-ci dans lequel il y a du paraben. Donc si toutefois vous vouliez le savoir pour acheter, voilà, vous êtes au courant. Celui-ci il n'y en a pas non plus visiblement. Non, il n'y a pas de paraben dans celui-ci. Et dans celui-là... non plus. Enfin, en même temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai en commentaire. J'ai pris la Playball Force 4, le Acifix. C'est un spray gel glacé, effet antifreeze. Donc pareil, hein, si toutefois je veux des cheveux lisses, je trouverai toujours bien le moyen de l'utiliser. Voilà. Et là, c'est le antifreeze fizz, spray antifreeze, séchage rapide, force 5. Donc, pour les moments où je voudrais un lissage intense, parce que vu que je laisse pousser et que ça commence à donner des résultats, je veux pas forcément avoir les cheveux ondulés tout le temps, quoi. Vraiment, je veux pas forcément utiliser le fer à lisser tout le temps. C'est-à-dire qu'avec une bonne mousse antifreeze et en les brossant, en les étirant au maximum, enfin, évitez trop quand c'est très mouillé, mais au moins quand c'est humide, parce que mouillé, en fait, les cheveux cassent si vous les étirez trop, donc c'est pas trop non plus la peine de les fragiliser.
Donc voilà, donc je me dis que bien utilisé, ça peut être des produits qui peuvent donner un effet bénéfique sur la longueur quoi. J'ai pris en Playball le Force 1, le Slick Caramel, crème de lissage optimale et coiffage facilité. Je m'en mets partout. Oh, quel bonheur. Ça ne sent pas le caramel. Mais en même temps, je suis un tout chouïa malade, mais ça ne sent pas le caramel. La texture est... Parce que là, du coup... La texture est fondante. Je vous montre. Du coup... Je ne sais pas si vous verrez grand-chose, mais la texture est fondante. Et on voit qu'elle est facile à travailler. Elle est quand même un peu épaisse. Maintenant que je m'en suis bien mis partout, on va essayer de retirer ça avec le coton. Donc voilà, j'en ai encore trois à vous présenter, d'une autre gamme par contre, parce que, et en plus c'est doux ce truc là, je veux pas le laisser sur les mains, mais c'est une... Ça sent bon, c'est doux, c'est la même avec Myrlène, non non. Ah ça sent bon. Ensuite j'ai pris un fixatif de finition. Donc ça c'est un spray tout bête pour fixer les cheveux hein. J'ai pris un spray brillance, c'est-à-dire que ça vous rend les cheveux brillants. C'est pas un spray fixant mais un spray qui vous fait briller les cheveux. J'en avais jamais testé. Donc après bon Biosil, que je ne sais pas si c'est une grande marque, mais pour essayer, je trouve que 83 centimes c'est pas cher payé quoi, voyez. Et celui-ci, c'est une crème épaississante parce que quand vous voulez faire quand vous voulez faire des brushings, une crème épaississante, ça vous permet vraiment en décollant la racine d'avoir vraiment beaucoup de volume. Donc voilà pourquoi j'ai pris ces produits. Bah, écoutez, je vous laisse. N'oubliez pas que la vie est belle en rose. J'espère que ce haul vous aura plu. Celles qui sont sur Grince, n'hésitez pas à foncer. Il y en a encore, après je ne garantis pas les quantités, ce sera les quantités limites des stocks. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et à bientôt pour la nouvelle vidéo. Ciao!